ربنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله نكونتينيي نو ليسون كونيسانس كونسيرنان القران Et là, nous allons chapitre vertus de surah, un termine, vertus du Coran en général. Le Coran est un grand livre. Le Coran est un livre qui remplit avec bénédiction. Le Coran est un livre qui garantit nous le néant dans dunya. Et c'est un, c'est source, c'est un même livre qui a traversé Allah subhanahu wa ta'ala, sur nous dans, et puis il se fait du chanjour priyama, en gros. Ensuite, nous allons dans le chapitre, différents surah qui viennent du Coran, ce qui est mentionné concernant cette vertu. Valéa surah Fatiha, Valéa surah Baqara, Valéa surah Ayatul Kursi, des derniers ayats dans surah Baqara, surah Kahf. Alors, aujourd'hui, on arrive surah Yassin. On arrive surah Yassin. En vérité, surah Yassin, comment. D'ailleurs, je vais essayer de dire bien, non. Pour beaucoup de gens, Coran c'est sur la. C'est sur quoi cela? Lire sur la Yassine grand matin, lire sur la Yassine fin du monde fait beau, lire sur la Yassine à soir, lire sur. Et là, finalement, comment dire, le Coran c'est bien existe sur la Yassine. Et à part ça, comment dire, je t'en vais lire les autres bandes dans le sur. Le sur la Yassine, nous venons, il est terminé. Ensuite, nous venons sur Hamim. Sur Hamim, il y a cette sur Hamim là. Dans le Coran, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit Al-Hawamim dibaju al-Quran. Ça va une surah là, c'est quoi le brocard de al-Quran. C'est-à-dire, brocard, c'est la toile, la soif, on donne la toile décorée, une seule la toile, on a mentionné qu'on avait en eau à l'argent. C'est-à-dire, un joli vêtement, appelle ça, qu'on a une jolie la toile, un brocard. Abdullah ibn Mas'ud peut dire que Hamim c'est l'ibad du Coran. C'est le brocard du Coran. C'est ça qui est authentique, l'Osa, concernant sa surah là. Ensuite, il y a surah Dukhan, c'est un hadith authentique, celui qui dit surah Dukhan, vendredi soir, vendredi soir dans le langage. La veille Jumma, Allah Ta'ala pardonne. Mais ça, ce n'est pas un hadith qui est authentique. Ensuite, nous avons la surah Al-Fath. Vous pouvez nous dire, pas chaque surah qui est un hadith concernant ce vertu. C'est une surah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une cause concernant ça. Ensuite, surah Al-Fath. Surah Al-Fath, c'est dimanche un concernant ce vertu. C'est quand sa surah qui descend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ » Une surah qui descend hier soir. Et ça, le meilleur, vraiment, ça fichait à moi qui tout ce qui serait élevé, l'eau là, je veux dire, ça, et mon plus content sa surah là, ça qui soit la plus valeur pour moi, qui sa dunya là et tout ce qui lui contenir. L'important, c'est qu'on prend sur la fête, dans quelles circonstances les fines descendent, et dans qui le petit qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire sur la fête, il y a la plus valeur qui sa dunya là. Et ce qui les contenait, les prophètes n'ont plus compté sa surah, qui s'adonnait là, et tout ce qui les contenait.
sa surah là qui descend intervalle prêté Hudaybiyya, prêté Hudaybiyya, qui est en sixième année d'Hijri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à l'insulte de la Médina à peu près avec 1400 musulmans pour faire Umrah, pour faire Umrah, en tout cas l'année, sixième année Hijri. Alors, quand je n'amène pas de femme au tout point gauche, je n'anime au tout. Et quand je finis, arrive à l'Hudaybiyya, et puis, prêt avec Makkah, parce que je suis posté avec Makkah, je pourrais te quitter Madina, je viens Makkah pour venir faire Umrah. Quand je suis posté, je suis venu à un endroit à l'Hudaybiyya, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se chamelle, al-Qaswa, inassisé. Il n'est plus mort. Alors, en avant ça, il vient commenter Khala'at il Qaswa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma Khala'at il Qaswa, ma zaka la du khuluq, walakin habasaha habissu al fil. Le prophète dit Al Qaswa, et pas une quoi des éclico, et ça passe au caractère, passe aux manières, ça. C'est simplement celui qui tire tenir le fil, c'est-à-dire Allah, qui tire tenir le fil, c'est-à-dire l'éléphant. L'éléphant qui tire tenir le boukhal, on a terminé le boukhal Kaaba. Et on peut dire, celui qui tire tenir l'éléphant, c'est lui-même qui tire tenir lui. C'est ça, il y a pour autant ça. Ça vaut le hadith là. Mais tu sers ça, comme tu répètes Asra. Quand les dias, qui fait besoin des fans de man savant, qui fait besoin des fans de man savant dans l'islam. Alors, pour lui, on va dire Coran, Hadith, nous venons pour cause d'Ibutania, nous venons pour cause Mohammed ibn Abdul Wahhab, on va dire savant, venons pour perdre les temps avec eux. Dans ce Hadith-là, comment nous servons ce Hadith-là pour éviter? Comment nous servons ce Hadith-là pour éviter? Bien sûr, bien. Quand, alors, il a ça fait dire, Pena pour voilà, défendre man savant. Pena pour défendre man savant. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il défend un samou. Kavana veut dire, samou l'an zeteko. Il veut dire, il fait zeteko. Et pas so manier ça. Samou là, ça s'amène la fan zeteko. Et pas so manier ça. Alors, ben, on va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas d'accord une parole injuste envers elle, un samimo. Le prophète il défend un samel. Si le prophète peut défendre un samel, un djimoun il vient des causes mauvaises, le ibn Taymiyyah, il vient des causes mauvaises, le Muhammad ibn al-Wahhab, toi, Khatam al-Jalis, pas qu'à partir. Et ça va un djimoun là, c'est un man djimoun. Je veux dire, si cause mauvaise, le banon, on va peine pour qu'à partir, peine pour défendre. Si cause mauvaise, le sultan a acquis le tir. La cause mauvaise, les autres camarades, je viens défendre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient défendre alors qu'il soit. Et là, finalement, il y a fini la négociation, habitant Makkah, je viens, il y a une négociation qui vient dérouler, un qui appelle un traité. Et dans ce traité-là, pour faire Makkah, je me fais un qualité traité qui je mets tout qui chose dans eux, c'est un avantage. Je mets tout condition dans eux l'avantage. Par exemple, si un Noudjimoun vient contre toi, tu retournes. Si un Toudjimoun vient contre nous, nous ne pouvons pas retourner. Il est bien juste. Si nous me fais un traité, Noudjimoun vient contre toi, tu retournes, Toudjimoun vient contre moi, non. Vous retournez. Alors, quelles sont les conditions? Si un Noudjimoun vient contre toi, tu dis vers retourner, vers retourner contre nous. Si un Noudjimoun vient contre nous, tu peux la retourner. C'est peut-être dans cette façon-là, pour dire, je ne mets pas de conditions. Tout va une condition dans des avantages. L'islam, il y a des avantages, ben, musulmans, pour dire, dans l'avantage, ben, pour faire ma cas. Et les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, sont d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'accord. Puis ça n'a qu'il n'est pas fait d'accord à ça, Omar, il est quoi nous accepter une condition comme ça? Comment nous avons? Nous, musulmans, nous disons vrai, nous disons qu'on va être humiliés, nous demandons à l'enquête de Dieu là, nous demandons à nous suivre là.
Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah, vous guide-moi, Allah, Allah, il guide-moi dans ça, dans cette chose-là. Alors finalement, finira par traiter là. Et à tel point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, prends une petite marina, une petite restaurante mascarée de la Houdaïbia. Et dans les terres, il y a même chose d'animaux pour les causes. Et maintenant, il y a des retours. Que bien après, on mourra par l'année-là, l'année prochaine. L'année prochaine, Domini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce bansava, et vos autres animaux, nous retournons. Bansava, qui vient? Ben, Rafiwa, ben, Shia, dit, ben, Sahara, il désobéit à le prophète. Je pas une rase à faire. Je pas une coupe d'autres animaux. Le prophète dit, coupe d'autres animaux. Rase de la tête, nous retournons. Ben Sahara, pas de dire. Ben Shia dit, Aïna, Sahara fait désobéir au prophète. En vérité, Ben Sahara n'a pas fait désobéir au prophète. Donc, simplement, ce qu'il nous a dit, Ben Sahara fait tendre pour obéir au prophète. Qui fait? C'est-à-dire que l'amour pour le prophète, ce pape est capable, quand il disait ça, le prophète est sorti depuis Madina. Il dit, il est venu au Mora, il peut retourner. Il n'est pas possible ça. Le prophète dit qu'il est sorti pour dire on va après lui retourner et pour viser pour manger jusqu'à dernier l'air. Pour viser même une petite chose qui peut arriver quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les bougères pour faire Umra. Et là finalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rencontre sur madame Ummu Habiba Ummu Salama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Umm Salama, il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Moud, il n'est pas normal. Il demande qui est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à lui, il est là, Umm Salama, il dit, ou envie maintenant obéir, ou envie ce qui obéit, je fais, sorti, rase la tête des gosses animaux. Sorti, fait rase la tête des gosses animaux. Quand les prophètes sont en terrain sur la tête des gros animaux, ben ça va qu'ils vont là. Fini. Eh bien, pas pour faire mon travail. Alors, je commence à jeter la tête entre les autres, que les gros animaux, je retourne. Eh bien, à tel point, quand je dis, ben là, je ne pourrai bien lourd aux autres. Dans ce moment-là, quand tu es fini de faire traiter là, tu es retourné, il y a la même, quand je dis, en chemin, Allah Ta'ala descend, ça sera là. Surah Fat, Inna Fatahna Laka Fatham Mubina, nous donne-toi une victoire, Fatham Mubina, quand une victoire claire. Ben, le Sahaba, qui se fait trouver ça, quand un défait. Je vais trouver ça, quand un défait. Et Allah Rabbu l'Alamin, l'une des prières, traité au Hudaybiyya, comme Fatham Mubina, un. Victoire au clair. Et dans qui façon peut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam les bégayes l'occasion pour propager l'islam, pour plus concentrer dans Da'wa, puis beaucoup de monde vient accepter l'islam. Et aussi, et dire, c'est sa traité-là, même suite à ça, comme elle n'a pas respecté sa traité-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'a tout droit pour guider, vous voyez? Il attaque Makka, pour à conquérir Makka. Alors, c'est ça, vertu des surah, Al-Fat, surah 48, il n'a pas de Hnalaka, Fatham Mubina. Ensuite, il y a surah Rahman, il y a un hadith authentique, il y a un hadith avec signification. Il y a un hadith avec وعروس القرآن الرحمن سكت صوص مالين عروس عروس إذا نوع المولد أنت يا سنت تستعجي وجاء نوع المولد القرآن وجاء سورة تستعجي جاء القرآن سي الرحمن سورة الرحمن وان جاء سبع التنصيب عاصب لنا سورة الواقعة لنا سورة الواقعة. Et là, c'est tellement un hadith qui enseigne lire sur la Waqi'a chaque soir. Et c'est pas bon, c'est tellement un hadith, c'est tellement un savant, quand pas une conne qui sait ce que c'est un hadith, ou bien un savant qui, comme on dit,
ce n'est pas autant versé dans le domaine hadith. Je filme, alors l'opinion, lire sur la waqi'a chaque soir, c'est-à-dire que c'est ça, des sourats. Lire sur la yassine dans la terre, lire sur la waqi'a à soir. Yassine dans la terre, waqi'a à soir. Et oui, attends, mais la personne qui suit comme ça. Même la fée yassine, et même la fée waqi'a, il y a du monde qui a venu yassine dans la terre, qui vient? Il se promet l'aider? Dunia. Ce problème? Dunia, avec tout ce travail, ce business, comment c'est, lire sur la yassine. Il va bien intéresser savoir, il va bien intéresser qu'on aille avec son nom en particulier. Lui, il dit, il y a sur la yassine dans la terre, business commence. Alors, comme il s'agit sur la waqi'a, il va mentionner, il y a sur la waqi'a, ça peut protéger, soit contre la pauvreté, ça peut protéger, soit contre la pauvreté. Alors, il va dire, pour n'être pas un musulman pauvre, pour n'être pas un musulman pauvre, juste lire sur la waqi'a, correct. Mais, c'est pas, on va dire, c'est pas Ben Khalil, authentique. Chef Ahmad al-Najmi. أولا طبعا في دومين حديث يجي المحافظة على قراءة الواقع كل ليلة بدعة لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي لكي صورة واقع شكرت تنبدعة كل زوار ما دومين وأفري مغرب أفريشا كل زوار صورة واقع تنبدعة. Il dit que toute chose là, il n'y a pas authentique depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelque chose qui mentionne le hadith qui n'est pas authentique. Quand il n'est pas authentique, il ne parle pas de client en pratique. Oui, il y a certains savants qui ont fait, il y a certains savants qui ont fait, simplement parce que je n'ai pas fait une conne faiblesse qui est là dans ça, hadith là. Le hadith qui mentionne, من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. سيرك لي سورة واقعة شكرت زامي لا pauvreté pour tous les زامي لا pauvreté pour tous les le place le deuxième hadith avec même signification من قرأ سورة الواقعة وتعلمها لم يكتب من الغافلين ولم يفتقر هو وأهل بيتي. Celui qui lit sur la waqi'a et apprendit n'est pas pour faire les négligents et ni lui ni les membres de sa famille pour faire face à la pauvreté. Ni lui et ni sa famille pour faire face à la pauvreté. Maintenant, le hadith علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى. Enfin, je donne madame sur la waqi'a. Quand ça, c'est surah de la richesse. Ça, c'est surah de la richesse. Et quand vous lisez ça, vous pouvez riche. Donc, c'est une petite chose pareille, un hadith pareil. Quand certaines passent une colle faiblesse qui est là, je finis une vidéo avec l'opinion. Il y a surah waqi'a, ça, soit tous les jours, soit il y a ta surah là. Mais comment, il y a la parole de Cheikh Ahmad al-Najmi, il dit où ça qui était? Il y a une petite chose là, il y a une bida. Ensuite, il y a سورة الحشر. Il y a سورة الحشر. Il y a mentionné, il y a un hadith authentique qui fait إِذَا أَخَذْتَ مَضَجَعَكَ فَقْرَأْ سورة الحشر إِمُتَّ مُتَّ شَهِيدًا أَوَا يَوْمِ لِيَ سورة الحشر أَوَا يَوْمِ لِيَ سورة الحشر سِتُبُمُوْ كَمَنْ أَنْ شَهِيد أَنْ دَجَمْ من قرأ خواتيم الحشر ليل أو نهار فقبل ذلك اليوم أو الليلة فقد أوجب الجنة. سيبك إلي الأحفاد السورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أنا سمعت من آية لا فطوال آية لا. سيبك إلي أسا دلان جل أميد لبو ou bien il y a ça dans la zone et il y a une vie obligatoire, l'eau, ça aussi, c'est pas un hadith qui est authentique, c'est pas un hadith qui est authentique. Ensuite, il y a une surah, Al-Mulk, surah Mulk. Surah Mulk est un hadith authentique, l'eau là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, إن سورة من القرآن 30 آية. إن سورة القرآن كنا 30 آيات. إن سورة القرآن كنا 30 آيات شفع لرجل حتى غفر له. فسورة لا
اللي انت شفعت وانجمن تجد في هذه المنافين قال الفاضل من الله وهي سورة تبارك الذي بيده الملك في سورة تبارك الذي بيده الملك الو كان سورة سين كفاني بليالي على نقول اسفار الله سبحانه وتعالى كي فسورة له لبقية نو شفعت أتابع لك لبقية الفاضل من الله سبحانه وتعالى من أنجز الحديث لبقية صلى الله عليه وسلم هي من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر سركي سقمت لدي سورة تبارك الذي بيده الملك على قابلتا الله سبحانه وتعالى وفوتيزيكم عذاب القبر الله تعالى وفوتيزيكم عذاب القبر لبقية صلى الله عليه وسلم هي سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر سورة تبارك الذي بيده الملك ألو ستن سورة كي لنفوتكشون كونت عذاب القبر لنفوتكشون كونت عذاب القبر لنا حديث المسعود رضي الله عنه قد رجية سورة تبارك الذي دا كا انجمن يبدا يبدا سو قبر اجيا فينيشون فو كا فينيشون تبين بيالي سا سورة لا فوريبوس سابان سابان فينيشون لا سورة تبارك الذي فوريبوس سابان فينيشون لا اي ان الحديث ابو جابر رضي الله عنه اجيا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك لبوفة صلى الله عليه وسلم لنا باشتا دومي أرسلون تقريبا يا سورة ألف لام ميم تنزيل يا سورة قلد سورة سجدة يا سورة تبارك الذي بيده الملك يا سورة سورة ملك على لبوفة صلى الله عليه وسلم شكسوا اشتبيا سا sage sura la amoyal amoyal dumi ena en hadith kina bautan chika se il profeta sallallahu alayhi wa sallam imashini ki il profeta sallallahu alayhi wa sallam vijia wadidtu annaha fi qalbi kulli mu'minin mochik sweti ki sura tabaraka alladhi لذلك كي دي شاك مؤمن الو بازان لو سحاليتا قوان ديا في ريكومانو في انقواجو تو ديا سورة مول مين نو كي ديا حاليتا لي با اوتانتيك لي با اوتانتيك يبي ديا نبزا با نبزا با با ني باكي سيديا نبزا با با ني باكي ديا بي ديما سي با كم سا كي نو كومبان قوان ديا سيكي كي بجان حديث كي با اوتانتيك ان حديث كي با اوتانتيك بجان با تخي ديا رسول الله صلى الله عليه وسلم mais Coran au complet il recommande qu'il nous pas ni pas que et d'ailleurs c'est un tous les jours il peut lire sur la tabarak alladhi bi yadihi mulk wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire les bouquins qu'on ne lit pas pas que ensuite nous on a sura qiyama sura qiyama et puis un hadith authentique qu'on s'en a lit un hadith fait ومن قرأ في كل ليلة لا أقسم بيوم القيامة شبكي شكمت لي سورة لا أقسم بيوم القيامة لقي الله يوم القيامة ووجهه في سورة القمر ليلة البدر شكمت أنجم لي سورة لا أقسم بيوم القيامة ألو كالفجن الله ذو قيامة لفجان الله إكي سوفيديا فأيبو إكريري كما لالين كاتوجام كاتوجام ميت سوفيديا فأيبو إكريري كما لالين كاتوجام ميت أنسويت سورة تكوير سورة تكوير إسا إن حديث كانت كلولا لبوفيت صلى الله عليه وسلم جيا من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت سبكي لتكونتا
comme s'il était observé des jours du Qiyama, il était témoin d'un événement des jours du Qiyama avec ce dirigé. Alors qu'il lit sa trois surahs-là, et des chams couvrirat, et des samas un fatarat, et des samas un shakkat. Alors sa trois surahs-là, pour nous lire ça, pour réfléchir le savant surah là. Ensuite maintenant, surah al-A'la, surah al-A'la, comme nous connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais lire ali chaque jumma, mais à part ça, c'est la hadith qui finit, mentionne la jumma et aussi witr, la jumma. Et aussi dans Salabit Malouini, concernant les autres surah. Alors, c'est une surah spéciale, Joujumma, Jou'id. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais dire ça, sa surah là, mais il y a une surah spéciale. Mais il y a un autre hadith qui mentionne et rapporté par Ali, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yuhibbu hadhihi surata, sabbih isma rabbika al-a'la. Le prophète est content, sa surah là, sabbih isma rabbika al-a'la. Alors, il n'y a pas authentique. Alors, je vais dire, quand il n'est pas authentique, avec dire, mais ce signification, il ne voudrait pas être content, ça sourd, là, non. Et vous êtes content, ça sourd, là, je suis content, tout va me sourd. Alors, simplement, ne pas attirer ça à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, concernant Surah, Inna a'atayna, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, les machins en hadith, man qara'a, إنا أنزلناه في ليلة القدر سمي كفنية سورة لا عدلت بربع القرآن يعني ريكونفانس كم سمي كفنية أنكا قرآن كفنية أنكا قرآن هذا سيبا من حديث كي أوتانتيك إننا إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل نصف القرآن سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها يقال أ لما تشيك القرآن توصي لنفع لنفع أوتانتيك. Ensuite, maintenant, concernant سورة التكاثر, ألهاكم التكاثر, une fois, il mentionnait que le prophète صلى الله عليه وسلم disait, est-ce qu'il y a capable de lire 1000 ayats, avant le Sahaba, il répondait, سنة كي كبار يسا البروفيت صلى الله عليه وسلم بدي أما يستطيع أحدكم يقرأ الهاكم التكاثر إذا بقى هذه سورة الهاكم التكاثر يكم سي شلوكي لي الهاكم التكاثر يبقى ريكونفانس ميل آيات مثل طبعا حديثي أوتانتي ألو سافي لسون فازولي سمان سنكوشا لتغانتا سورة كافرون سورة الإخلاص سورة فلق نعم لا بتكتبين إكتاشك لا تبغض لجنت شابين إن شاء الله في نفس الوقت يسون يعبدون شيء كيف يسون يعبدون يسون عرفين